C'est des vrais soldats qui sont allés chercher la billetterie d'eux-mêmes et qui sont partis prendre leur billet d'eux-mêmes. Moi, j'ai jamais partagé la billetterie, j'ai jamais parlé aux gens de venir au stade, j'ai jamais dit aux gens, les gars, venez. Jamais, jamais une seule fois. Jamais une seule fois. Pourquoi? Parce que honnêtement, je le sentais. Je vais pas vous mentir. Et je vais pas dire que je voulais vous protéger, je me prends pour un super-héros, mais je voulais pas, j'avais peur de vous mettre dans un bourbier. Et j'avais pas envie de vous faire venir dans un endroit et que ça se passe mal pour vous. Et j'ai jamais voulu que vous veniez. Et pas que ça. J'étais déçu de la communication aussi de DJ Mario. J'arrive, je ramène Zizou, les gars. Je sais pas si vous avez pas remarqué un truc dans ma communication, c'est qu'au début, je fais une communication de malade, je ramène Zizou. Et que si vous remarquez bien, après, je communique de moins en moins. Mais pourquoi? Parce qu'en fait, je suis dégoûté. Je me dis, je suis en train de me donner plus que le mec qui est censé organiser son événement. Il est là, il a annoncé son événement, il a mis une photo faite sous IA avec moi et lui. Et c'est comme ça qu'il annonce son événement. Ça pue la merde, c'est quoi ce mec? Il est nul à chier ce gars. Tu fais un événement dans un stade du Wanda Metropolitano, t'as la chance de faire un truc pareil, t'as des connaissances de partout, tu connais des joueurs de foot, tu peux faire 20 000 choses, sors-toi les doigts de ton cul, fais quelque chose de propre, je sais pas. Hype les gens, les pauvres Espagnols, moi je les plains. Leur créateur de contenu, c'est un cafard, mon frère. C'est quoi ça? Et ça m'a dégoûté. Je me suis dit, mais pourquoi moi je vais aller hype et communiquer plus que le mec? C'est censé être son événement. On est où? Et c'est pour ça qu'après, j'ai commencé à moins parler de l'événement. Je voulais pas dire aux gens de venir. Pour moi, ça a lui de remplir son stade. Mais vous imaginez, si j'avais forcé sur la billetterie, il y a un monde où on aurait été en Espagne, ça aurait été 50-50. Et les gars, moi en plus, je récupère pas l'oseille, hein. C'est-à-dire que c'est moi qui renfloue les caisses de ce trou du cul. On est où? Enfin, je sais pas, fais quelque chose, Enfin, bouge-toi le cul, je sais pas. Nous, au match aller, les gars, le stade, je vous le dis, hein, dans le stade, je crois, il y avait 150 Espagnols. Hein. Il y avait plus de 20 000 Français, le stade était full. Il y avait 150 Espagnols. Pas plus.